Ils étaient plus de 250 supporters hier à l'entraînement ouvert au public. L'occasion de découvrir sous le soleil les recrues du mercato estival. Des nouveaux visages qui semblent séduire. Il y a des bonnes recrues d'arrivée déjà. Donc apparemment on devrait avoir une bonne équipe je pense l'année prochaine. On va attendre les premières journées pour se faire une idée, mais je pense que c'est mieux. Il faut que la mayonnaise prenne et visiblement l'entraîneur a l'air de les faire travailler comme il faut et a l'air d'être proche de ses joueurs, donc ça devrait bien fonctionner. Un groupe qui se renforce et des supporters qui espèrent le meilleur pour leur équipe. Il faut voir après sur le terrain ce que ça donne et puis espérer retrouver une bonne dynamique et faire une bonne saison et pourquoi pas remonter en Ligue 1. Il faut qu'ils apprennent à se connaître, puis après ça devrait passer. Hein. On peut faire quelque chose avec surtout au milieu de terrain l'arrivée de Bostock et de la technique de Zoubir devant. Donc c'est ce qui me semble le meilleur. Et puis un effectif plus important que l'année dernière pour monter, c'est primordial pour la suite. Quoi. Certains éléments seront en tout cas plus attendus que d'autres. John Bostock, j'aimerais le voir jouer parce que j'ai déjà regardé un peu son niveau de jeu et ça m'a l'air d'être un bon joueur. Le Chevalier, qui est un grand buteur, notamment en Belgique. Et j'ai vu qu'il était fan de Lens, donc j'espère qu'il va se régaler. Il a montré des bonnes choses dans ses autres clubs et je pense qu'il peut être l'attaquant qui nous manquait l'année dernière. Pour moi, la meilleure recrue, c'est Duchez. Il va vraiment apporter de l'expérience. Même sur les dernières sorties qu'il faisait au PSG, il était encore au niveau. Donc, il a 36 ans, mais je pense qu'il va vraiment apporter quelque chose à RC Lens.